Nous sommes le jeudi 30 novembre, mes amis. L'heure est grave. Voilà, j'ai clôturé le concours ce midi. Donc, j'ai mis le concours fermé sur YouTube. J'ai reçu une dernière participation hier soir, donc le 29, donc ça a été pris en compte. Elle a reçu un mail, la personne. Donc, au final, j'ai 49 participations. Voilà, donc ça me fait... Donc, j'ai pas noté la dernière. Je vous retrouve. Je vais juste vous montrer parce que j'ai tout noté. Attendez. Voilà, donc j'avais validé sa participation pendant que j'étais au boulot. Donc j'avais pas mon carnet. Donc je vous montre un peu. Donc ça, c'est mon carnet YouTube que j'avais acheté chez Action. Donc, les pages sont un peu cornées. Donc voilà, ça fait quand même tout ça. Voilà. Et ça. Je vous réexplique juste ce que j'avais expliqué dans un vlog, mais pour ceux... En fait, j'ai deux choses à vous dire. La première chose, c'est que les commentaires sur cette vidéo seront soumis à approbation, comme pour la vidéo du concours. Parce que je ne veux pas de « Oh, t'as triché, oh, c'est toujours les mêmes qui gagnent. » Je ne sais pas encore qui a gagné. Je gagne jamais, c'est toujours des gens qui ont une chaîne YouTube, enfin bon bref. Donc je sais pas encore si c'est une personne qui a une chaîne YouTube ou pas, je sais pas encore si c'est quelqu'un qui est proche de moi ou pas. Mais peu importe, même si c'était une personne, ça tombait sur une personne que je connais, ni Dave ni d'Adam, qui s'inscrit juste pour le concours, qui a pas de chaîne YouTube, etc. Je soumets les commentaires à mon approbation. Voilà, comme ça, ça m'évitera d'avoir des commentaires désobligeants. Bref, qu'est-ce que je voulais dire, autre chose? Oui, donc je l'ai dit dans un vlog, mais je le redis là. Sur les 49 participants, il y a une personne qui s'est désistée. Donc cette personne a décidé de quitter les réseaux sociaux, que ce soit YouTube, Instagram, pour des raisons personnelles. Et elle m'a demandé d'annuler sa participation au concours, parce qu'elle ne voulait pas risquer de gagner, entre guillemets. Donc, comme elle m'a annoncé, en fait elle faisait partie des premiers inscrits, c'était le numéro 7. Et comme elle m'a annoncé ça, j'avais déjà écrit jusqu'à une quinzaine de noms, il me semble, je sais même plus combien, mais bon. Je m'étais dit, soit je décale tout, donc je refais tous les noms en l'enlevant elle, et soit, bah, si je tombe sur le 7, donc je vais le faire avec vous, mais si je tombe sur le 7, je recommence. Ça sera annulé et j'en retire une autre. Voilà, c'est juste pour vous informer de comment ça va se passer. Donc j'ai utilisé le site random.org. Et je vais faire ça sur mon téléphone et puis je vais essayer de filmer, c'est chiant parce que j'arrive pas. Voilà. Et voilà, donc c'est parti. Voilà, c'est le numéro 45. Vous savez qui c'est le numéro 45? Donc... Moi, je regarde, je vois qui c'est. Donc c'est sur la deuxième page, enfin sur la troisième page plutôt. Donc c'est une des dernières personnes à s'être inscrite. Cette personne s'est inscrite, je ne sais plus quand. Elle s'est inscrite le 27 novembre à 18h14. J'ai écrit son mail. Donc allez, je ne peux pas attendre plus longtemps. Numéro 45, c'est... Miss Gazelle. Donc Miss Gazelle, c'est quelqu'un qui a une chaîne YouTube. Voilà. Donc Miss Gazelle, je suis très contente que tu aies gagné ce concours. Donc je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos, bien évidemment. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, Miss Gazelle, c'est pas quelqu'un que je connais depuis très très longtemps. Je suis pas abonnée, je crois, 2-3 mois, peut-être sa chaîne, ou 4, je sais plus trop. Je l'ai connue sur le tas, on va dire. Et c'est quelqu'un, je vous conseille d'aller voir sa chaîne et de regarder quelques vidéos par-ci par-là, au pif même. Voilà, c'est quelqu'un, je pense que c'est quelqu'un qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Voilà, je pense que tu comprends ce que je veux dire, Miss Gazelle. Je pense que tu prends pas mal ce que je dis, parce que c'est quelqu'un qui a du caractère, mais c'est une personne aussi très sympa. Et surtout, moi, ce qui me plaît le plus, c'est qu'elle est très drôle. Elle est très, très drôle, aussi bien... elle est drôle, drôle, et elle fait aussi de l'autodérision. Donc ça, j'aime beaucoup, quoi. Notamment,
Quand elle filme, il y a des trucs et on voit son épaule. Enfin bon, bref. Moi, je me comprends, mais vous ne comprenez rien si vous ne connaissez pas sa chaîne, c'est pas grave. Donc, bref. Donc, je suis très contente que tu aies gagné. Donc, oui, c'est une chaîne. Je disais quoi? C'est une chaîne. Donc, elle présente énormément de hauls. Nos actions, Lidl, Aldi. Elle nous a fait des comparatifs, Lidl, Aldi d'ailleurs. Et parfois, on a des petits vlogs avec sa petite fille qui fait du cheval. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, donc elle est super drôle, elle est super nature, elle est, je pense qu'elle se prend pas la tête qu'elle est en vidéo comme elle est dans la vie, je pense. Voilà, elle est. Je pense que c'est une vraie personne, voilà, tout simplement. En plus, elle a pas mal d'abonnés, elle, hein, et elle a vachement, vachement d'abonnés, mais elle, par contre, elle répond à tous les commentaires et elle répond des bonnes phrases, quoi. Donc voilà, moi des fois, j'avoue que je réponds, pourtant j'ai moins d'abonnés, mais beaucoup moins d'abonnés qu'elle. Mais moi des fois, voilà, je suis prise par le temps, je suis prise par je sais pas quoi, et je réponds un gros bisou, merci. Voilà. C'est léger, mais bon, je réponds. Hein. Mais elle, non, à chaque fois, moi j'ai l'impression qu'elle, moi en tout cas, quand elle me répond, je suis toute fière. C'est toujours génial ce qu'elle répond. C'est toujours adorable, c'est voilà. Donc c'est une personne adorable. Donc je vous mettrai le lien. Donc je l'ai déjà dit. Miss Gazelle. Donc oui, Miss Gazelle, je connais même pas ton prénom. C'est dingue ça quand même. Donc je sais même pas comment tu t'appelles. Donc envoie-moi un mail avec ton nom, ton prénom, non mais ton adresse. Et puis bah, je t'envoie ça dès que possible. J'essaie d'envoyer ça la semaine prochaine. Je te garantis rien à 100%. De toute façon, quand le colis part, je t'envoie un mail. Enfin, une fois que j'aurai ton adresse. Bien sûr. Donc, j'espère que tu vas regarder cette vidéo. Et puis sinon, si je vois que si je vois que t'as, si je vois que j'ai pas de réponse de ta part, je t'enverrai un petit mail pour te dire. Voilà. Bon, allez. Donc, oui, pour toutes celles qui n'ont pas gagné, je suis désolée. Ne soyez pas trop déçues. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Il faut savoir que moi aussi, je participe à pas mal de concours et je ne gagne jamais. Hein, donc, ou très très peu. Hein. J'en ai gagné deux aux curiosités d'Opaline et à Pompoir Orange. Je sens que c'est tout. Et donc, voilà, c'est normal. On ne peut pas gagner tout le temps. Et voilà, il y a tellement de. Par contre, il y a tellement de concours sur YouTube. Voilà, enfin. Pareil, moi je m'inscris qu'au concours où les lots me plaisent quoi, parce que s'il y a trop de maquillage, je m'inscris pas. Si on a un peu, je m'inscris, s'il y a un peu de tout, si c'est varié. Sinon, s'il y a que du maquillage, que des palettes, je m'inscris pas, ça sert à rien de prendre la place de quelqu'un qui aime ça quoi. Ah bon, bref, donc tout ça, Miss Gazelle, encore félicitations, je suis très contente que ce soit toi. J'aime beaucoup ta personnalité, je l'ai déjà dit, je me répète, c'est une catastrophe cette vidéo. Donc je vous fais plein de gros bisous, n'hésitez pas à liker, vous abonner. Abonnez-vous encore plus maintenant pour montrer que vous vous abonnez pas beaucoup pour le concours. Voilà, je vous fais des bisous, à bientôt!